l'épisode 11 de Stati Ciné. Et pour ce nouveau numéro, nous allons avoir une nouvelle rubrique qui s'intitule Stati Musique. Voilà, vous savez tout, voire presque, parce que après on aura une petite interview de l'animateur donc de Stati Musique qui s'appelle Pierrot. Et puis Stati Musique, voilà, on verra ça, on en saura plus tout à l'heure. Mais dans un premier temps, nous allons voir la bande-annonce de Spliss, qui est un film qui sort le 30 juin 2010. Par le réalisateur Vincenzo Natali, qui est un réalisateur américain. Le film est canadien, franco-canadien. Et donc, ce réalisateur qui nous a notamment fait Cube, je ne sais pas si vous vous souvenez, qui était un film qui sortait en 1999, et qui a eu le grand prix du festival Gérardmer, qui est un festival français, qui réunit le cinéma fantastique, horreur, voilà, peut-être qu'on... L'année prochaine, j'espère vous faire montrer quelques images de ce festival, parce que là, on l'a loupé. Et donc, ce réalisateur-là nous a fait donc Spliss, Hybride, qui parle en fait... Donc, il s'est inspiré, le réalisateur s'est inspiré, d'il y a 10 ans, une photo qui était au journal, avec une souris qui avait une oreille collée dans le dos. Oui, parce que les scientifiques avaient manipulé certaines ADN génétiques et tout ça, et donc ce réalisateur, eh bien, il s'est inspiré de ça en faisant son film. Et donc ce film parle de deux scientifiques qui sont ils se sont fait, parce que bon, je l'ai pas vu, j'essaie d'expliquer ça clairement, ils se sont fait une espèce d'hybride de plusieurs animaux, et ils ont été pris donc dans cet engrenage de folie de vouloir créer quelque chose en ajoutant l'ADN humain. Et donc, voilà, je vous en dis pas plus, on en voit un peu plus dans la bonne annonce, et vous allez voir, ça a l'air plutôt sympa, et ça sort donc le 30 juin. Here he comes. Careful. All clear. That's it. Heart rate stable. If we don't use human DNA now, someone else will. Regulators and politicians, they tear us to pieces. We can go to jail for this. Human cloning is illegal. This won't be human. Not entirely. It's coming out. It's not due for months. It's slippery. It's... What was that? A mistake. Tempting. Clive? 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 Alors maintenant, on va regarder une bande-annonce de jeu vidéo. Il s'agit de Marvel vs Capcom 3. Le titre exact est Fate of Two Worlds. Je prononce très mal l'anglais, mais vous ne m'entendrez pas parce que vous m'aimez beaucoup. Ensuite, eh bien, que dire de ce jeu? Ça réunit Capcom, ça réunit Marvel. Marvel, il y a Wolverine, Hulk, Iron Man et plein d'autres choses. Et Capcom, il y a Ryu, Redfield, Morrigan, plein de choses aussi comme ça. Et donc c'est un jeu qui mélange la 2D et la 3D pour faire un super jeu dont la bande-annonce est super bien aussi, et puis la musique aussi est bien bien dynamique, et ça fait du bien, ça réveille.
C'est, ça sortira sur PS3 et sur Xbox. Je ne sais pas si je l'ai dit, je ne sais plus, mais c'est pas grave. Et j'espère l'avoir bientôt en test chez Staticiné, mais il faudra attendre l'année prochaine. Voilà, c'est comme ça. Donc, une nouvelle rubrique fait son apparition sur Staticiné et ça s'intitule Stati Musique et c'est présenté par Pierrot, un animateur qui est un ami à moi, que j'aime beaucoup et qui habite à Paris. Voilà, donc ça sera en duplex à chaque fois. Et donc, j'ai une petite interview pour la première fois chez Staticiné. Donc, première question qui me vient à l'esprit comme ça. As-tu déjà touché l'anus d'un babouin pour jouer mieux de la guitare? Donc, cher ami, je vous répondrai que ça ne m'est jamais venu à l'esprit, mais je peux vous confirmer que les méduses, ça ne marche pas du tout. Ok, d'accord. Et alors bon, Stati Musique, c'est bien, d'accord, mais comment est venue cette idée-là d'appeler cette rubrique Stati Musique? Écoute, c'était un soir d'orage. Je regardais MTV. Là, je suis tombé sur la meilleure émission que j'ai jamais vue. Ça s'appelait Staticiné. Ça parlait de cinéma. Alors moi, je me suis dit, Géraud, tu vas faire Stati Musique. Et ça va parler de musique. Alors j'ai une question un peu plus compliquée. Qu'est-ce qui t'a inspiré dans la musique death metal, gore chirurgical, gore expérimental, pornographique, hardcore? Ah, question sur le métal. Alors écoute, je m'inspire des groupes chirurgicaux death metal. On va dire un peu des trucs à la Cannibal Corpse, à la Limbordir, à la Behemoth, à la Britney Spears, à la Chimera, chercher l'erreur. Je parle, pourquoi j'ai dit Britney Spears? Parce que dans ta question il y avait du gore chirurgical. Donc je pense que Britney Spears a un gros nid. Et donc, dernière question, mon ami Pierrot. Avant le lancement donc, du pilote de Stati Musique, que ferais-tu si tu trouvais sur Pandora, si tu te trouvais sur Pandora, habillé en schtroumpf? Écoute, je pense que je me bricolerais plein d'instruments de musique en jute d'arbre pour faire chier les navis à 3 heures du matin.